ceci te déplaît. Suis-moi. Sans friction. La Luna, la Monnaie et le Temple du Soleil. Le narrateur. Alain Géronet. La voix d'Hergé. Jean Dutremont. La voix de Jacobs. Marc Moulin. D'abord, évitez le jeu. D'ailleurs, serait-ce une fiction ou une friction? Parlez d'eux, de deux. Les faire parler si faire se peut. Bon, ce sera peut-être aussi nul que les derniers jours de Charles Baudelaire. Cependant, il doit être moins difficile de faire du BHL que de faire le Bernard l'Ermite. Notre scène se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, entre la première, chère à Tardy, et la troisième, décrite par Jacobs dans Le secret de l'Espadon, alors que Jacobs collabore avec Hergé à la mise au point du double album Les sept boules de cristal et Le temple du soleil. Temps de guerre, naguère vers 45, Bruxelles. Première scène. J'ai vu le célèbre illusionniste Bruno hier soir au Musico d'Empire. Il change l'eau en vin, ce serait formidable pour mon marin alcoolique de changer l'eau en vin, non? Quelle coïncidence, j'étais à la Monnaie où se joue Tristan et Iseut. C'est un peu comme le filtre d'amour, un breuvage magique. On le rejoue ce soir, tu m'accompagnes? Wagner? Comme Igor, mon pianiste effacé, très peu pour moi. C'est plutôt ton rayon. Moi, il me donne les oreillons. Ben des rétros, mon fiston. Je n'ai jamais compris ta Castafiore. On ne se moque pas de Faust. Il faut que tu viennes avec moi un soir. Écoute, je travaille déjà pour le soir toute la journée. Non, ce soir, tu m'accompagnes au Music Hall. Il faut un changement d'air. Allons, Georges, tu m'accompagnes à la Monnaie. Ce n'est pas te demander le Pérou. Pas le Pérou, mais le Péril, oui. Opération Richard, cœur de Bavière. Ton Music Hall, c'est un peu péril, reconnais-le. Mais d'accord, je viens avec toi ce soir. Demain, tu me rendras la Monnaie de ma pièce, on coupe la poire en deux. Bon, si tu veux, parce que c'est toi. Tu me voles un soir, je te vole une soirée, on verra bien qui changera qui. Deuxième scène, le soir venu. Edgar face à la gare du Nord attend Georges, place Rogier. Salut Edgar, j'ai les billets. Bonsoir Georges, moi aussi j'ai les tickets pour demain. Bon sang Edgar, mais que va dire Germaine si je vais voir des spectacles germains sans elle? Oui, je sais, hélas, tout l'opéra est allemand ou italien. Mais c'était bien avant Mussolini où le Führer, le grand scénariste, n'avait pas prévu ça. Bien sûr, Music Hall sonne plus anglo-saxon, j'en conviens. Mais entrons. Edgar et Georges entrent dans le hall du Music Hall. Tiens, les hublots de la porte me ramènent à mon capitaine. Ton Hollandais volant? Mais maintenant ton marin est châtelain. Ce sont plutôt les ors de la Monnaie qui n'inspireraient que l'art déco d'ici. Tu devrais lui trouver un décor ad hoc. Oui, à l'occasion, on verra. Rendez-vous au prochain numéro. Bon, nous avons le temps. Il y a d'autres numéros avant le tien. Mais nous avons bien fait de rentrer. Dehors, il doit faire un temps de chien. En effet, il pleut du vin. Troisième scène. Georges, je suis ici. Voici ton ticket. Bonsoir. Tu as la Monnaie pour l'ouvreuse? Et ici, je les connais toutes. Ne t'en fais pas. Dis, la Monnaie, ça doit être le temple de l'oseille, non? Juste pour les richards. Le temple de l'oreille, si tu veux, oui. L'oreille cassée, alors. Je t'en prie, Georges, c'est un spectacle sérieux ce soir. Ouvre les yeux. L'œil est le bon, je viens pour ce filtre d'amour. Cette fois, je comprendrai enfin comment on change l'or en vin. Bon, je joue châtelain et j'entre avec mon grand chambellan Jacobus. Mais écoute, j'ai peur de m'égarer. Georges et Edgar entrent dans la grande salle de la Monnaie. Comment veux-tu dessiner tout ça? Pas une seule ligne simple dans ces dorures. Ce n'est rien, je peux te dessiner cela tout simplement. Vois-tu, longtemps j'ai perché là-haut, au pigeonnier. C'est de là-haut que j'ai surveillé toutes les opérations. J'ai vu tout le répertoire de ce repère. C'est ainsi que j'ai conçu d'être baryton. Écoute, au vu de ton rayon, tu pourrais tout à fait faire carrière dans la bande dessinée. On m'a eu, on ne m'y aura plus. Sitôt la guerre terminée... Bon, la représentation commence. Voilà le prélude. On en reparle à l'entracte. Bon, si tu veux, mais je ne suis pas encore sûr de troquer mon illusionniste pour une allusion à Wagner. Chut, l'ouverture. Mon vieux, je suis aux abois. 40 minutes plus tard,
Alors Tristan, t'as plu ? Et Iseux ? Triste, ennuyeux. En tout cas, pas mieux que Faust et Marguerite avec lesquels je peux au moins transporter l'air des bijoux aux musicaux. Non, tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi pas ? Gounod, Goujat, les goûts ne se discutent pas. On s'en va. Bah, écoute, si tu veux rester là, on se revoit demain. À demain. Quatrième scène. Le lendemain. Écoute, maintenant je vois plus clair. Merci Edgar, ce film m'a en plus donné une idée. Je pourrais mettre le soporifique dans les boules de cristal. Ainsi, les victimes verraient leur avenir en s'endormant. Je dirais que c'est un peu ce qui m'est arrivé hier soir à l'opéra. Formidable. Mais tu n'as même pas vu la scène. Bon, tu veux un apéro ? Moi aussi, j'ai eu quelques idées cette nuit. Si tu veux vraiment introduire l'air des bijoux entre deux numéros de music hall, on pourrait garder extérieurement l'architecture de l'Empire et intérieurement la salle de l'Opéra. Ainsi, les apparences seraient sauves. Bon, si tu veux, on mettra un peu de variété dans l'architecture. Mais pour reconstituer notre temple inca, il faudra qu'on soit un peu plus vrai. L'imaginaire doit avoir l'air vrai. Bien, Georges, on va bûcher là-dessus. Mais je dois te le dire, si tu avais refusé mon dispositif, il aurait fallu supprimer ta scène vocale, irrévocablement. Quoi qu'il en soit, tu m'auras obligé à mettre de l'eau dans mon vin. Edgar, je ne voudrais pas qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre nous. Nous sommes d'accord, on ne reparle plus de ce sujet. 50 ans après la scène ci-dessus, l'irréalité rejoint la friction. Le palais du Music Hall, alias Music Hall Empire, est devenu Luna Theater. Et La Monnaie y produit même des spectacles d'opéra, comme le récent Il Ritorno di Liszt a Patria, ce mois de mai. Après tout, La Monnaie sert à donner le change, non ? Avec le retour du Liszt, viendra le retour du refoulé, chacun son tour. Changeons donc l'autre en lune, Luna en Moon, Monnaie en Münd, puis Luna en Münd, et nous serons prêts pour l'euro. Je vous remercie.